Ça a fait comme on est là, mais n'est gouné, hein, Léonard Show. Je réponds à un ami qui posait une question sur Facebook. Malgré la question, un petit genre mal formulé, mais après, je devine pour un sens qui ça veut dire. Et je réponds, nous connaissons. Léonard Show, c'est unique plateforme, quel que soit le monde qui pose une question, depuis que j'ai une réponse, je réponds sans problème, ok? Celle-là, il faut nous encourager le travail là. Zami a demandé, est-ce que si vous entrez dans l'avion Mexique, ou qu'à toujours, elle fait processus dans le mal pour dossier résidence. Li vle dit comme ça, par exemple, ou même qui joue un visa mexicain. Par exemple, il est capable de un visa touriste. Est-ce que les ou vini ou même tout qui vini dans l'avion, hein? Hola, hola. Qui entre de façon légale là, mexicain comme Salim. Est-ce que vous même qui entrez de façon légale là, est-ce que vous obligez d'aller dans le mal tout pour dossier processus résidence? Moi expliqué dans plusieurs vidéos déjà qu'il y a plusieurs façons capable gagner résidence ici site là. On pas obligé répéter, à regarder dans liste vidéo mieux n'a pour vidéo ça. Mais oui, vous même qui entrez dans avion qui vini dans avion avec un visa mexicain et soit un visa touriste ou vini avec un visa travail, automatiquement tout qualifié pour une résidence temporaire 1 an. Au fur et à mesure qu'il va renouveler, il a augmenté le nombre de durées de résidence là. Mais oui, et si vous venez, c'est avec un visa touriste mexicain, vous venez dans le pays. Si vous voulez régulariser, vous voulez faire à travers le bureau Comar, oui, vous êtes capable d'aller dans Comar pour que vous soyez capable de faire le processus là normal. Avantage que vous avez gagné vous-même, avec visa ça, vous avez toujours qu'à circuler dans le pays pour le nombre de temps qui vous permet d'entrer. En attendant que vous obteniez la résolution Comar. La résolution, s'il est positif, ou bien s'il négatif. Au contraire, ou même là où vini, c'est Mexico City ou pas atterri direct. Et en Mexico City ou pas fait. Si bien au Mexico City ou peut-être t'as fait, mais dans le moment qu'on vini, parce qu'actuellement là, côté m'a fait vidéo, dans le moment m'a fait vidéo ça là, et bien au Mexico City ou fait, mais. Et m'a connu si c'est temporaire, si c'est définitif, mais ou fait, mais. Ok? Laisse ou ka toujours aller tapachou là, ou dimanche ou ka toujours aller palinke, ou kwe zone Tabasco aussi. Oui, ou capable aller ou gen l'autre bureau toujours, ta kou nan zone frontière tan kou Tijuana, gen Monterrey côté miel actuellement là. Ou ap joine Monterrey. Alors, m'te di fòk ke m répond commenter ça parce que gen moun ki ont ti jan ignorer ça qui toujours ap mande est-ce que si yon moun vini avec visa ou obligé passer par Comar pour joindre résidence. Gen l'autre façon capable joindre résidence là, yon là c'est Comar. Comar lui-même sous une résolution positive là après quelques mois. Et ou capable automatiquement c'est une résidence permanente qui va bien dans mon une résidence définitive qui pas même gagner date expiration là dedans. Alors moi répondre à la question pour zami qui t'ai posé question hein, les pas poser le bien non ça après me venir comprendre pendant que me gagne un zami et Saint-Anne Adrien qui t'ai dit que monsieur mal formulé question parce que monsieur demandé est-ce que si vous venez légal, non, si vous venez par avion ou ka aller dans Comar, je dis que ça soit dans mail. Après ça, bon je cherche un commentaire pour mentionner nos amis qui te fait commentaire ça, ok? Je dis à la main en Plaza Centrica. Dernièrement, je suis venu dans Walmart là. Je ne sais pas si vous avez une info trop bien, je suis venu dans Walmart. Plaza Centrica, c'est un plaza qui a un paquet de business là-dedans et puis il y a Walmart là-dedans, ok? Alors, juste pour me corriger, petit parti ça. Hein? Ben, moi, en bas qui vidéo, monsieur, te fait commentaire. Et dans la même vidéo, ça m'a profité de répondre à quelques questions brefs. Oui, je suis obligé de faire une vidéo pour chaque question que je pose. Je vais répondre à quelques questions. Bref, nous allons traiter là. Et pendant que vous êtes là, vous mettez abonné, d'accord? Abonnez-vous, si vous abonnez-vous, suivez-moi sur Facebook. Abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche notification, très important pour les mettre en vidéo pour ne pas perdre. Je vais chercher les commentaires en mien. Ok, mais monsieur, il est mon cadet. Il est mon cadet, il dit comme ça, frère, moi, salue. Est-ce que si je rentre au Mexique dans l'avion, j'ai besoin de résidence, est-ce que je dois aller dans le Comar tout? Quand elle me dit, bon, décision en main. Parce que je pense que le terrain est l'autre façon de faire résidence. Oui, ou capable d'aller dans le Comar, même si vous venez sur avion, même si vous venez avec visa mexicain. Unique visa qu'on n'a pas besoin d'aller dans le Comar, c'est si vous venez avec un visa travail
automatiquement tout qualifié pour une résidence temporaire parce que c'est avec visa travail ou entrée, d'accord. Après ça, moi j'ai Jameson jeune qui dans vidéo m'te fait vidéo ça qui dit est-ce que au café CBP1 pour entrer aux États-Unis malgré ou résider Mexique. M'te bay toute information qui me connaît et m'te dit comme ça que me poko jeune un monde vraiment qui était appliqué pour asile États-Unis au dire est-ce qu'il gagne un refuge ou bien une protection pour ne pas dire asile parce qu'il pas utilisé terme asile là ici pratiquement. Et est-ce que les gens sont capables de rester des gens aux États-Unis? Voilà, moi j'ai Jameson Jen qui dit comme ça. Moi j'ai des gens qui allaient dans la côte qui ont une résidence au Mexique là, c'est dans le Mali où ils ont fait, juste là-bas où ils ont déportation parce qu'ils ont un refuge déjà. Quand il y a des gens qui ont un seul espoir là, c'est TPS. C'est TPS. Les plus mieux si les gens ont un projet de venir aux États-Unis pour prendre patience tant que CBP One ou bien li pays fait résidence là depuis c'est comal se refuge là-bas ou voilà. Alors citoyen dit oui gen moun qui te gen refuge ici là yo aller y'a appliqué pour asile États-Unis yo mette yo sous déportation à cause des refuge qui yo gen gagné dans pays Mexique là et puis yo dit que yo pas capable et joine asile yo. Par contre ka gen moun qui toujours gagné les puis chance pas moun nan li joine, OK. Parce que des fois les gens font vidéo, il y a des gens qui toujours disent ah non c'est menti, il y a des gens qui gagnent. Par exemple, moi j'ai Eldas Padi qui dit comme ça, il y a des gens qui gagnent bouton en ah non non ça non ça c'est publicité. Ok, il dit comme ça, ok Eldas Padi dit comme ça, il y a un pile monde qui te réside au Chili, Brésil, yo qui te approuvé. L'MT dit comme ça que dans Biden non, il y en a critère qui ont demandé faut que mon n'a pas une résidence permanente dans l'autre pays pour te appliquer dans Biden. Dans Biden excusez-moi. Par contre gen moun ki yo fè konnen gen moun ki gen résidence permanente dans l'autre pays qui t'est arrivé à prouver bon voilà ka toujours gen un shit mais c'est ça ou te di auparavant c'est pour moun ki en Haïti haïtien ka dans l'autre pays mais s'il gen une résidence temporaire oui il est capable appliquer et puis tout li bon mais si c'est résidence permanente il te dit qu'il est pas capable appliquer dans Biden nan. Voilà c'est comme ça c'est pas moi même qui te dit c'est pas moi qui ba information c'est comme ça information lui-même li te. Alors, et m'te dit nous on a quelques questions qui posaient, m'a tout profité répondre dans la vidéo. Ça pour me garder, moi m'te fait une liste pour moi m'a profité. Et OK, gen moun gon question là qui moun yo toujours posé. Bon, m'a faut ti montrer nous plaza. Même t'es venu là déjà. Oui, ça c'est m'te dans Walmart, là m'te dans supermarché, là m'te montrer nous toute bagaille yo. Mais m'a faut ti montrer nous quelques bagaille là encore pendant m'a parler avec nous là. Est-ce que Mexique c'est un pays qui est invivable? Moi dis ça déjà. Moun ki vini Mexique yo ki pa gen Mexique nan tête yo pou yo rete, c'est États-Unis qui objectif yo, y a toujours faut croire que Mexique invivable. C'est moun ki chita kap tan transfer support nan men moun ki yo gen à l'étranger, gen moun ki pa même ap travay. Et c'est tout bon parti nan mesdames yo ki gen moun yo kap voye transfer pou yo et stress là. Fait ou faut quoi que Mexique invivable, c'est comme si vous pas travail, travail pas payé pendant ce temps, yo chita côté travail pas tellement payé bien, les fini mon c'est pour profession le gagner, mon pas légal, il pas ca faire un bon travail vraiment. Devine faut quoi que Mexique son pays qui invivable. Mais menti, Mexique capable vivre Mexique et moi même capable vivre là actuellement là. Nous sommes dans des on a plein sur net là non, c'est si c'est là. Celle plein me fait pour nous c'est que nous devons abonner pour nous des plateformes dans grandir, partager vidéo tout ça. Mais Mexique son pays qui ou capable vivre là-dedans. Mexique pas un pays invivable. OK, Jean moun yo fait quoi là? Mexique pas un pays invivable. C'est moun qui juste attend CBP1, yo pas fait rien sérieux. Lè ou gen un petit problème pour gérer bilio, par exemple, diaspora gen doit pas vont moyen pour yo. Lè ça yo obligé à chercher un petit travail plus ou moins pour yo font petit cob. Yo dit ah non, travail pas payé Mexique, c'est si c'est là. Mais non, ou même qui lè tant moi même là qui gen résidence permanente ici. Il y a tout document nécessaire tant que moi un document RFCSAT qui c'est document pour payer contribution l'oral non travail formel ici on mande tout document ça yo moi gain assurance sociale actuellement là moi gain licence pour me conduire machine dis moi j'ai un job pour me conduire machine m'a joindre m'a toucher normal et m'a gain droit à
m'a gen droit à assurance de vie dans travail là, m'a gen droit à bonification, m'a gen droit à aguinaldo. Par exemple, dans chaque fin année, yo toujours bon somme comme qui yo multiplier salaire, un exemple, m'a gen tout droit ça yo en tant que un résident permanent et qui gen tout document légal yo. Mais pas côté moun k'ap di que Mexique invivable, OK? Tant que moun pa ka vivre Mexique. Actuellement là, moi en communication avec moun qui gen plus que 14 ans ici. Il y a des gens qui ont en contact avec lui. Bientôt, je vais aller à Guadalajara. Il y a un citoyen qui a 17 ans. Il dit comme ça. Il a 17 ans ici. Il dit comme ça. Il y a une communauté dans Guadalajara. OK? Il dit bientôt, je vais à Guadalajara pour faire une interview et faire un reportage ensemble avec le citoyen et l'autre monde qui a bien pour parler sur la plateforme. Il y a des gens qui ont 15 ans, des gens qui ont 14 ans, des gens qui ont 20 ans. Bon, il y a des gens qui entrepreneur qui gen bon moyen ici au Mexique qui dans l'anonymat que nous pas connaît ou nous pas tendez parler de yo, c'est pas moun qui n'en fait foule là, c'est pas moun qui n'en paraît sur réseau a. Et dit ici là une belle communauté haïtien qui dans l'anonymat que nous pas connaît, ça veut dire ici là moun ka vive, OK? Voilà. Et dit moun sa ou ka vive ici là, c'est pas tant que moun foule là États-Unis yo ka fait ouais toute la semaine journée comme quoi c'est seul États-Unis paradis a. Mexique son pays. Si li pa un pays invivable, ou ka vive Mexique normalement. Bon, gade ki l'autre question encore. Gen moun ki te pose. Gade bon moi. Après ça, pour moun kapten information sur prix travail, yo varie. Parce que moun nou pa ka di exactement, mais comment. Ok, par exemple, construction, nan travail nan construction ka paye. Par exemple, l'emte palen ki ka paye, par exemple, ça va dépendre de si moun nan son boss ou bien son doboulé. Et m pa ka ba un tarif parce que m pa travaille là-dedans, même deux amis qui travaillent là-dedans déjà. Ou ka wè prix le payer par linké a, nan ti a passe avec prix le vini sit Monterrey, nan Nuevo León ou bien Mexico City, li varie, li pa même bagaille. Tout on plus sous frontière ak États-Unis et plus nan nord, c'est plus et travail payé, OK? Alors c'est ça. L'autre information encore, pour dossier l'école ak université, m'a mené enquête pour moun k'ap mande mes informations ça ou nous mettre posé. Et gen yon moun ki te mande qui le Mexique a fermé. Mexique pas jamais fermé. Pour qui ça? Parce que un pays qui a fonctionné pas qu'à fermé. Les gens demandent est-ce que Mexique fermé hein? Peut-être qu'à demander est-ce que Nicaragua permet à ici aller sans visa encore. Mais pas parler de Mexique parce que les agences l'ont dit comme ça. Ah non, l'a pas organisé voyage pour Mexique à travers Nicaragua. Li pas organisé voyage pour Mexique, veut les gars, il organise voyage pour où? Pour aller au Nicaragua. On a dit là, même, on prend route pour venir au Mexique. Mexique pas déjà ouvert pour dire que tout haïtien vini, non. Ce soit venir légal. Vous comprenez? Il pas déjà fermé tout pour dire qu'on ça bon, dès que nous te ban accès pour tout haïtien rentrer, qu'on y a là nous fermé. Non, c'est pas comme ça lié, d'accord? Il pas comme ça lié. Après question qui le Mexique a fermé, hein? Mexique pas déjà dit li ouvrir pour nous venir illégal, il pas déjà dit la fermé tout pour nous pas venir illégal. Alors tout le monde qui prend route Nicaragua ou bien quel que soit l'autre pays dans la région qui a passé, de vous venir au Mexique, vous pouvez rentrer. OK, vous pouvez rentrer au Mexique. Ça ne veut pas une question de Mexique fermé, c'est pas Mexique qui t'est jamais ouvert dit pour tout le monde venir vraiment. C'est Nicaragua qui t'est ouvert une porte dans colère, il fâché président ensemble avec États-Unis et puis tout le monde joint accès qu'on a pour entrer Nicaragua sans visa. Mais c'est pas Mexique qui t'a organisé genre de bagaille ça. Encore pour moun qui a posé question ça. Alors question ça on ti gens banal, on ti gens pas une question de Mexique pas. Jusqu'à présent depuis aller dans ambassade Mexique en Haïti depuis l'ouvrir ou faire des matchs visa ou venir à l'aise. Légal. Ou passer par Nicaragua tout faire route là ou risquer si ça va passer mal ou venir. À l'aise. OK, ou ka passer dans l'autre pays ou venir sous gen visa américain ou ka venir, sous gen visa Schengen ou ka venir, ou gen visa canadien ou ka venir. Sous gen résidence Mexique là tant que moi même ou ka venir sans problème, OK? Alors, moi répondre plusieurs questions dans une seule vidéo là. Merci à tout le monde qui t'a regardé, qui t'a un commentaire. Pas oublier mes amis, 100 000 abonnés. Besoin 100 000 abonnés sur YouTube avant l'année à finir en nous grandir plateforme. Et puis regardez vidéo, vidéo ça ou t'a de gagner des centaines de milliers de views mes amis, OK? Encourage le travail là. Mali, on va lâcher quelques bagages en dedans là. On va lâcher quelques bagages en dedans là et puis n'abonnez dans une autre vidéo. Quittez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous avez bien répondre. Et si vous avez une question encore, vous avez toujours posé. Alors, vous avez une question à poser là. Vous avez répondu déjà, oui. Qui ça a fait? Ah, les gars, des vidéos mieux pour nous. Est-ce que vous avez fait une vidéo sur le sujet avant même de nous poser des questions? D'accord? Très important. Bye bye. À la prochaine.